Donc, Jean-Marc, maintenant donc, tu as ficelé, on a préparé les éléments pour la coloration. La coloration. Donc, si tu permets, on va le faire ensemble. J'allume notre plaque. Donc là, on a une, en l'occurrence, on a une plancha, mais ça peut bien sûr se faire au grill. Au grill. Ça pourrait se faire même sur dans une poêle. Hein. Dans une poêle, dans une cocotte, voilà. Peu importe. Alors là, tu m'as dit huile d'olive parce que, pour rappeler un peu le côté agneau, le côté un peu méridional. Et comme je l'ai bien dégraissé, donc tu peux lui donner quand même une belle coloration. D'accord. Ça va aussi bien saisir les chairs. Les chairs. Et ce sera aussi après plus simple, tu sais, parce que dans la cuisson, dans la croûte de pain, la viande va être amenée à se détendre. D'accord. Tu vois? Par contre, donc, tu m'as dit ce qui était très très important, et ça il faut qu'on le rappelle aux gens qui vont regarder, il est important donc de bien la colorer, et ensuite de bien la refroidir. Donc c'est un travail qu'il faut faire peut-être sur deux jours, ou sur une matinée et le lendemain, tu vois. Parce que bon, nous on a la chance d'avoir une cellule de refroidissement, mais tout le monde ne l'a pas, parce qu'il est important que ça refroidisse bien pour la mettre dans la croûte de pain. Voilà. Donc là, on va commencer à la mettre. Je t'invite quand même à salir. On va donc l'assaisonner. Et à la poivrer. Voilà. Parce qu'il faut salir. Il faut assaisonner. Alors, agneau français, c'est même des épaules d'agneau qui viennent d'Alsace. Ah ouais? Qui ont été mis, oui. Il y a une filière Alsace qui s'est mise en place avec des éleveurs. Et nous, bouchers, charcutiers... d'Alsace, son partenaire de cette filière-là. D'accord. Donc, alors, quelle spécificité, Jean-Marc, par rapport à... Alors, déjà, le prix. On leur maintient un prix, toute l'année, le même prix. Qu'ils en aient beaucoup ou pas beaucoup, ce sont des Alsaciens, ils parlent... Donc, on travaille aussi en filière courte. En filière très courte. Voilà, d'accord. On ne va pas faire venir l'agneau de Nouvelle-Zélande. Non. Alors qu'on peut avoir des agneaux absolument fantastiques. Alors, en Alsace, ce n'est pas une grande région d'élevage. Mais ça suffit pour, c'est autosuffisant pour notre clientèle. Ça, c'est important. Est-ce que l'Alsace est une grosse région de consommation quand même d'agneau? Alors, je dirais oui et non. À Pâques, oui, quand c'est par période de barbecue. Ensuite, en Alsace, on a un petit peu encore cette autre possibilité parce qu'on les met dans les viandes, les épaules, dans le bécot. D'accord. Tu vois? Okay. En période un petit peu plus automnale et plus hivernale. Il y a aussi cette particularité-là. Voilà. Alors, on va faire enlever cette planche maintenant. On va mettre en place notre petite plaque sur laquelle on va faire refroidir. Parce que tu nous as dit aussi qu'il était important quand on fait refroidir, Jean-Marc, quand assez on fait refroidir, d'avoir ça sur une grille pour éviter que ça ne trempe dans son propre jus. Hein. Donc, belle couleur, c'est ce que tu nous avais demandé. Hein. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire là, partout. Donc, pour cautériser, coaguler donc les protéines et avoir donc une jolie couleur, c'est ce qui va donner aussi déjà du goût de la saveur, viande. Hein. Voilà. Alors préalablement, il faut, comme dit, demandez à votre boucher de vous la désosser, de bien vous la parer, parce que c'est un petit peu ce côté un peu du gras de l'agneau qui est un peu, on dit toujours l'agneau ça sent, c'est un peu ça donne pas envie. Donc là, c'est dégraissé et en cuisson, ça sent pas très... Ça sent pas trop fort. Parce que c'est vrai qu'en Alsace, on dit souvent, et ça je pense qu'on peut le dire, en Alsace, aspegit. Alors aspegit, ça veut dire ça sent un peu le bouc. Et c'est vrai que c'est souvent cette graisse très épaisse qui est sur le dessus. Quand il est enlevé, c'est vrai que là on sent plutôt de la viande qui est en train de colorer, de rissoler, mais absolument pas une viande qui sent. Donc on va aussi colorer les extrémités. Hein. Oui. Voilà, on va vraiment faire tout ça comme il faut. Hein, voilà. Là, on va presque être bon, là. Ouais. Là, on a une belle couleur partout. On va encore le retourner un petit peu ici pour avoir la petite coloration là sur la pointe. Donc là, comme tu l'as merveilleusement bien ficelé, on n'a pas de souci particulier du tout. Et c'est vrai que le fait de bien coaguler la viande va aussi faire qu'elle va se rétracter et elle va se tenir au moment où tout à l'heure, on va la déficeler avant de la mettre en croûte de pain. Par exemple, pour des selles d'agneau, c'est un peu dommage de les... de les faire travailler comme ça en croûte de pain parce que là on va quand même donner au moins une heure à 200 degrés, hein. On en parlera tout à l'heure. On en parlera quand on fera la cuisson. Et 4 heures voire 5 heures à basse température parce que la basse température est une question de mode, pas que, mais nos anciens le faisaient déjà. Exactement. Voilà, alors Jean-Marc, je te propose, est-ce que ça va au niveau de la coloration? Écoute, pour toi c'est top. Voilà, on va le poser là maintenant. Voilà.
On va la mettre au frais. On va la mettre au frais, exactement. Et on va la mettre en cellule de refroidissement. Tu nous ouvres la cellule ? Mais oui. Hop. Et c'est parti. Et on va la laisser tranquillement refroidir durant... Et on vous retrouve dans quelques minutes pour la mise en pâte à pain. En pâte à pain. Et pour la cuisson. Et pour la cuisson. À tout de suite. À tout de suite.